Christine Révaud-Dallone. Merci et merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation. Je me réjouis de lire dans votre programme de travail que la dimension sociale des politiques européennes constitue pour vous une priorité. Sans un engagement politique fort, nous ne pourrons pas faire avancer les choses, surtout dans les transports qui cristallisent les problématiques auxquelles l'Union est confrontée. Sur le transport routier, le Luxembourg avait déjà montré son engagement dans le cadre d'une déclaration commune avec d'autres États membres le 5 juin 2014 pour mieux appliquer la législation européenne existante, pour encourager les partenaires sociaux à développer une approche commune, pour lutter contre les entreprises boîte aux lettres et promouvoir une concurrence loyale dans les transports. Dans cette perspective, j'espère que votre présidence fera preuve de leadership pour relever ces enjeux. Bien évidemment, je veux aussi parler rapidement du pilier politique du paquet ferroviaire, puisque vous l'avez compris, nous aussi, nous souhaitons et nous estimons que c'est effectivement une priorité pour votre présidence. Sur ce dossier, le rapport d'avancement présenté en juin montre la difficulté d'arriver à des positions communes sur des sujets sensibles. Et j'ai bon espoir que les travaux de la présidence permettent d'avancer, notamment afin de ne pas considérer l'ouverture comme un postulat à l'efficacité des systèmes ferroviaires, de laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités compétentes pour organiser, fournir et exécuter les obligations de service public des transports de voyageurs afin de garantir la cohésion territoriale. Il est important de garantir que l'ouverture ne conduise pas à délaisser des lignes moins rentables mais fondamentales pour l'équilibre de nos territoires. Enfin, sur le plan social, j'espère que la présidence pourra faire prévaloir l'importance d'inclure des dispositions claires pour les standards sociaux existants et protéger les salariés en cas de transfert d'entreprise. Merci.